l'homme de mes rêves. Tel est le titre de la bande dessinée donc de Nadja. Le personnage central s'appelle Kate, une jeune, jolie et fragile femme qui ressemble étrangement à Isabelle Adjani, période baroque. L'histoire raconte les déboires amoureux de la jeune femme, ses souffrances et ses angoisses, ses fuites en avant et en arrière, mais il n'est peut-être pas utile de résumer par le menu l'histoire de Kate et donc de cette bande dessinée. Tout d'abord, pour ne pas gâcher le plaisir de découvrir vous-même un jour le ressort de ce suspense psychologique, et surtout parce que l'histoire se développe entre les rêves et la réalité de la jeune femme. C'est l'idée originale de votre BD. Bonjour Nadja. Bonjour. Nadja, donc vous inventez un personnage qui a du mal à distinguer entre ses rêves et la réalité, surtout quand les rêves ou les cauchemars de cette femme, de Kate, sont plus réalistes que sa réalité plutôt terne. Oui, moi-même d'ailleurs, je m'y suis un peu perdue à la fin. Je savais plus très bien ce que Kate inventait, fantasmait, rêvait ou vivait. Comment peut-on appeler ce genre de bande dessinée ? Aucune des définitions, même celle avancée par votre éditeur Cornelius, qui parle de polar, ne m'a convaincu. Moi, j'aurais dit plutôt une sorte de polar psychologique. Enfin, c'est comme ça que je le... Il y a un suspense psychologique. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de crime, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de cadavre. Non, mais c'est une sorte de... Il n'y a même pas de certitude. Mais c'est une sorte d'enquête. Ça ressemble à un conte pour adultes, un mélodrame fantastique. J'insiste pour dire mélodrame parce qu'effectivement, il y a un côté mélo, il y a des sentiments et fantastique parce qu'on a affaire justement à quelques phénomènes paranormaux. Oui, comme on peut l'interpréter comme ça, oui. Et quand je dis un conte pour adultes, je fais référence à ce que vous avez fait avant, Nadja. Est-ce que justement tout votre travail pour la presse destinée aux jeunes, aux enfants, tout ce que vous avez illustré pour les livres jeunesse, vous a aidé dans ce travail une fois que vous êtes passé à la bande dessinée adulte ? Oui, sûrement, parce que dans les livres pour enfants, enfin dans les contes, il existe cette chose qui revient de façon permanente, c'est une espèce d'entrée dans l'inconscient, enfin toutes les choses qui arrivent apparemment dans un conte sont en fait des étapes de notre esprit dans des situations particulières d'angoisse ou d'initiation. Donc ça ressemble beaucoup. Et vous avez transposé avec bonheur d'ailleurs dans ce monde d'adulte cette notion qui fait que les rêves, ça compte comme si c'était aussi la réalité de nos vies. C'est ce que je pense d'ailleurs. Encore ? Oui. Non mais les rêves dans le sens, tout ce qu'on invente, tout ce qu'on imagine, tout ce qui est justement cette espèce de vie permanente de l'inconscient qui est là mais dont on n'est pas forcément capable de discerner les causes, et etc. C'est aussi important dans notre vie que nos actes apparents, je pense. Comment a démarré cette histoire, l'homme de mes rêves, Nadja ? Par un rêve. Mais il y a très très longtemps, en fait. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que j'avais fait un rêve, quand mes rêves sont très construits et réalistes, ouais. Je les note parce que ce sont des creusets en fait, pour des histoires. Mais après je les interprète complètement, etc. Mais c'est plutôt l'émotion d'un rêve qui me reste. Et je trouve ça important, c'est très précieux. Et cette émotion, ça, c'était cette idée de fuite et l'arrivée de Kate dans un endroit où elle pourrait enfin trouver quelque chose. Et après avoir fait ce rêve, donc je l'ai laissé, je l'avais noté dans les carnets, etc. Et puis j'ai eu envie de faire un scénario pour un film. Je voyais le film. Vraiment, je voyais exactement comment ça allait se dérouler, etc. J'étais très excitée, j'ai commencé à écrire le scénario. Et puis j'ai laissé filer. Tout ça se passe sur plusieurs années. Hein. Ouais. Et puis il se trouve que j'ai commencé à faire la bande dessinée chez Jean-Louis, etc. Et
Je venais de faire un livre très autofiction, très centré sur moi-même et tout. Et j'avais vraiment envie de sortir de ça et d'attaquer la fiction, enfin une histoire qui ne serait pas la mienne. Et je me suis souvenu de ces pages que j'avais écrites. Et c'est reparti de là, en fait, c'est comme ça. Et comment êtes-vous passé donc de ce scénario oublié dans vos tiroirs à cette bande dessinée? Parce que c'est une bande dessinée qui est très bien construite, avec des chapitres, avec des choix esthétiques. Comment, je sais pas trop, mais bon, j'ai pas écrit à l'avance. Je dessine en même temps que j'écris. Donc j'avais plus ou moins une espèce de squelette de l'histoire. Je savais plus ou moins où ça devait aller arriver. Mais tout ça, plus ou moins, c'est-à-dire sans les détails. C'est plutôt, tout ça, c'est plutôt émotionnel qu'autre chose. Et au fur et à mesure, j'ai déroulé l'histoire en peignant en même temps. Enfin, je fais les deux en même temps, page par page. Et ce choix de ce dessin, de cette gouache, de ces couleurs, c'était immédiat, enfin. Immédiat entre vous-même et vous-même, Nadja, ouais. Ou en allant discuter avec votre éditeur, Jean-Louis Gauthier? Non, c'est-à-dire que ça s'est passé en deux fois. Je l'avais fait en noir et blanc, enfin en sépia et blanc. Et puis Jean-Louis m'a proposé de le faire avec deux couleurs, un magenta et un vert, hein, c'est ça. Et les deux couleurs, moi j'avais un petit peu peur parce que je ne voyais pas trop ce que ça donnerait dans les... Justement dans les noirs et dans les contrastes et tout. Et puis finalement, c'est encore plus fort, je trouve, et plus contrasté que les originaux qui ne sont que noir et blanc et rouge. Voilà, c'est... Et comment vous travaillez le découpage, Nadja? Parce que là aussi, on est surpris et par le format et par le découpage de cette histoire. Mais je fais pas de pré-découpage. Enfin, je le fais au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me mets à ma table, je commence à dessiner, j'ai l'idée d'une scène, je la fais, et puis je reviens en arrière si elle ne fonctionne pas, etc. Mais je la fais comme ça dans le moment. Et je me plante quelquefois, vraiment. Et c'est quoi? Alors, Jean-Louis Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, s'il fallait résumer votre rencontre avec Nadja, puisque... C'est avec vous ou grâce à vous, ou en tout cas c'est avec Cornelius qu'elle passe à la bande dessinée, Nadja. Je crois qu'elle n'avait pas fait de bande dessinée avant chez De Noël. Chez De Noël Graphique, peut-être. C'est concomitant. Le menteur. Oui, je crois que c'est. Mais je me souviens pas exactement. Je sais plus dans quel ordre ça s'est produit. Ouais, mais pour revenir sur l'aspect technique de ce que disait Nadja, je veux quand même dire qu'elle bosse d'une façon très très particulière, puisque elle fait des rushs en fait. Elle déroule son histoire, elle peint des pages et ensuite elle coupe, elle refait. Mais quand je dis elle refait parfois un tiers. Et c'est marrant parce qu'elle parlait d'une idée de film, mais en réalité en bande dessinée, elle travaille quasiment de la même façon. Elle peint comme on tourne et ensuite elle fait le montage. Et c'est ce qui s'est passé pour ce livre dont la fin a évolué, même la construction du livre a évolué jusqu'à aboutir à cette version-là. Voilà. Et donc le cinéma est très présent, ce qui m'étonne qu'à moitié, Nadja, puisque vous venez de nous dire qu'à l'origine, ça devait être destiné au cinéma, cette histoire de Kate, cette histoire qui a pour titre L'homme de mes rêves, mais le fait de refaire, d'avancer, de reculer, j'allais dire, vous ressemblez presque au personnage central de cette histoire. Oui, mais c'est vrai, oui. Oui. Vous avez raison, oui. Je n'avais pas pensé à ça. Il y avait, et en plus, il y avait, je ne pense pas qu'il y ait un message, j'allais dire, au-delà du plaisir de raconter cette histoire, de nous faire rentrer dans le... Sort de morale, vous voulez oui, dire ou... Oui, oui, non, il n'y a pas de morale. Non. C'est la différence justement avec les contes pour enfants, je suppose. Non, je ne pense pas qu'il y ait forcément de morale dans les histoires pour enfants. Je crois que c'est plutôt une fin qui, quand ça se termine bien, etc. C'est pas moral, c'est plutôt pour donner une sorte d'espoir aux enfants que le monde n'est pas totalement horrible et qu'ils pourront peut-être s'en sortir.
Ce qui est pareil pour les adultes. Enfin, moi, j'aime bien les films qui finissent bien, les livres qui finissent bien. Il y a une bonne fin, mais avant d'arriver à la fin, d'ailleurs une fin plutôt ouverte, hein, heureuse mais ouverte, qui, parce que c'est assez incroyable, on nous prend au début comme si on était des enfants, et puis en entrant dans le monde des adultes, c'est-à-dire en traversant des crises, en traversant effectivement toutes les dépressions de votre héroïne Kate, et puis par la sortie, on redevient enfant, tout est possible, j'en dis pas plus, ça s'appelle L'homme de mes rêves, c'est édité chez Cornelius.